Je m'appelle Mathilde, je suis monteur d'opérations immobilières à l'OPAC de l'Oise depuis 6 ans. J'ai fait une formation en école d'ingénieur en bâtiments et travaux publics, en alternance, sur un poste similaire. Je suis en charge de la gestion des projets de construction de logements neufs et en réhabilitation. Ma mission est de mettre en œuvre les différentes phases d'une opération, autant conception que réalisation. Donc la phase conception passe notamment par les études de faisabilité, le dépôt des permis de construire, jusqu'au lancement de la consultation travaux. Pour la partie exécution, c'est la participation aux étapes clés d'un chantier, jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement qui correspond à un an après la fin des travaux. Au quotidien, je suis le chef d'orchestre des différents intervenants de l'opération, qu'ils soient internes ou externes à l'OPAC de l'Oise. Donc, les tâches sont diverses. Il y a une partie administrative qui est réalisée en binôme avec l'assistante monteur d'opération, avec laquelle on réalise tout ce qui est traitement des devis et factures et la consultation des intervenants externes à l'OPAC de l'Oise via une plateforme dématérialisée. Il y a aussi une partie financière, donc c'est-à-dire l'établissement d'un budget qui sera loué à l'opération et qu'on devra suivre tout au long de la vie du projet, et aussi le dépôt des différents dossiers de financement. Et une partie technique, cette fois-ci en binôme avec le chargé travaux, avec lequel on contrôle les pièces techniques d'exécution et si, durant le chantier, le cahier des charges est bien respecté, ainsi que les délais et le budget. Ce qui me plaît dans ce poste, c'est la diversité des tâches, le fait d'être autonome. La chance qu'on a aussi, c'est de pouvoir suivre une opération du dessin d'esquisse jusqu'à la construction et la finalité de voir les locataires et accédants satisfaits.